J'espère que vous allez tous bien, les amis bibochins, bibochiennes. Alors aujourd'hui, nouvel épisode sur Farming Simulator 19 sur la map Belgique profonde. Bon, il y a une mise à jour sur Belgique profonde. Ça s'appelle plus Belgique profonde agrandie V2, mais Belgique profonde multi 3 joueurs V2. Ok, donc jusque-là, pas de souci, le titre change. Le souci, c'est que le titre change, mais la sauvegarde aussi. Donc j'ai voulu continuer la vidéo sur ma sauvegarde auparavant. Je n'ai pas pu, car il y a eu une correction d'un bug. Et le bug a fait pour recommencer une sauvegarde. Bon, je recommence la sauvegarde. Le souci, c'est que j'ai voulu rattraper au niveau où j'étais arrêté, au niveau de la vidéo 2, pour continuer et donc faire la troisième. Et le souci, je vais vous démarrer la carte. Donc là, je repars. Là, je suis à zéro. Hein, là, à zéro. Hein, j'ai. Et le souci, c'est que bon, je pratiquais comme ça. Donc j'avais acheté le terrain, si vous vous rappelez bien, de 22. Avec la parcelle là. Hein, bon, je vais vous le refaire vite fait. Alors, on va faire ça. On avait fait ça. Alors, on avait acheté ça. D'accord ? Là, la 2, acheté, et la 22, d'accord, on avait fait ça. Donc, après, quand j'avais fait ça, j'avais continué, puis après, sur la vidéo 2, il y a eu une connerie, et j'ai vendu, donc, j'avais recommencé au départ, et j'avais vendu mes petites machines. Donc, petite machine, on avait fait ça avec si vous vous rappelez bien, j'avais vendu ça. Ok, okay. Le pick-up, j'avais vendu, voilà. Ça, on avait gardé, on avait vendu la barre de coupe. On avait vendu ça, voilà. Et on avait vendu la masse aussi. Donc, jusque-là, c'était bon. D'accord? Donc, on va faire ça. Jusque-là, c'était bon. Et pour pouvoir continuer à jouer, donc, j'étais dans cette partie-là. Vous voyez, là, il y a encore du matériel. Donc, là, il y a la remorque. J'avais tout rapatrié. Par contre, le restant, je ne peux plus rien faire. Donc ça fait que je peux plus monter sur le tracteur, il y a juste la remorque. Et quand on regarde dans le garage, l'autre matériel, on ne le voit pas, objet alloué, l'autre matériel, on ne le voit pas, mais on a juste la remorque. Voilà. Donc ça fait que, ben là pour l'instant, je ne sais pas comment faire, je suis bloqué, j'arrive pas à retrouver comment faire pour débloquer le tracteur. Voilà, alors donc une mise à jour par rapport à un bug. Il a enlevé un bug d'un côté, mais il y a un autre bug de l'autre, quoi, parce qu'on ne peut plus avoir. Voilà. Et là, si je peux monter que sur mes tracteurs. Je peux monter que sur mes tracteurs. Voilà, alors j'ai démarré en mode comme là, démarré en partie de rien, démarré en multi, hein, nouveau fermier, rien n'y change, j'ai démarré en multi, si, comme ça en multi, bon, bah, comme ça je peux récupérer l'autre ferme et tout, me mettre admin et rien n'y fait, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc pour le moment, ben, je vais chercher du comment et du pourquoi, et puis pour pouvoir refaire et puis faire une suite, sinon bon bah j'arrêterai, hein, si, et je vois pas pourquoi on va s'amuser à jouer sur des bugs, hein, là je suis désolé, j'ai bien à cliquer comme je veux, hein, vous voyez, il y a juste la remorque que je peux avoir, après il y a les autres et ils vont rien savoir. Alors si je fais ça, la moissonneuse, on va regarder si on initialise, parce que je l'ai même acheté, hein, la partie là, je l'avais acheté, hein, et pff, rien n'y fait. Donc là, logiquement, il me l'a mis au magasin,
Si je vais au magasin, il est où le magasin lui? Il est là. Et vous voyez, même en cliquant dessus, le magasin est là. Betterave, non, c'est pas ça. Château. Bord d'œuf. Avec. Station de chaud, je vais pas atterrir au magasin. Je vais pas atterrir au magasin. Bon, on va faire ça. Et si. Voilà. On peut pas monter sur les autres. Alors je sais pas, on peut pas les vendre, on peut pas les monter, on peut pas. Je ne sais pas. Si je m'achète, on va faire un truc. Alors comme j'avais vendu une voiture, retour. Ah, franchement là c'est. Allez acheter, on s'en fout, c'est juste il sera au magasin, c'est pour voir si je peux prendre la moissonneuse. Voilà. La moissonneuse est là. Est-ce que je peux monter dedans? Non. Alors on va le bouger. Donc, si vous avez remis à jour votre version Belgique profonde, voilà, je peux pas monter dans la moissonneuse. Et je peux pas la vendre, hein, donc c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Si vous avez remis à jour, donc l'ancienne version de la V2, c'était Belgique profonde agrandie V2. Maintenant, c'est Belgique profonde multifruit 3 joueurs, hein. Donc logiquement il y a trois joueurs sur trois fermes, donc trois joueurs, trois fermes sur la Belgique profonde, V2. Et si vous avez le même souci, bah, dites-moi-le en commentaire. Sinon, moi si je peux. Là après on va payer pour des machines que je pourrai jamais machiner. Alors qu'on servira jamais, alors je ne sais pas. Ou si le créateur de la map voit la vidéo, bon bah. Qu'essaie de me contacter, hein, et puis voilà quoi. Il me laisse un message dans la vidéo, et puis voilà. Bon, bah, sur ce, ben, je vais essayer de trouver la solution, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Belgique profonde. Allez, bye bye, ciao, merci à tous.